Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un épisode incroyable, un épisode incroyable, une série peut-être même incroyable avec Antonin. Salut Antonin. Bonsoir. Donc sur Prison Architect, hein, vous savez, un grand classique Disney finalement de la chaîne, un espèce de l'horreur, hein, les âmes fragiles et socialistes prièrent de s'en aller. Les LGBT, Ah, faut c'est pas regarder, démocratique, hein. ils doivent partir. Allez-vous-en. On va même commencer par la vanne de nous, on ne veut faire un goulag. Donc un goulag, mais il y a déjà des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes, même dans les goulags. Et donc on teste le mode multiplayer. Donc on vous rassure, hein, bien sûr, hein, des épisodes commerciaux avec Antonin, hein, sponsorisé bien sûr par The Soldier Ah ouais. 44 Corporation. Donc les épisodes sont commerciaux. Par quoi qu'on commence? Déjà, je pense qu'on va calmer les admissions tout de suite. Ouais, tu me dis ferme ta gueule aux admissions et je Ouais. propose qu'on coupe les arbres. Ah, on peut faire du T'en penses? transfert de détenus. En fait, l'idéal là pour toi, si tu veux, mon petit poulet, c'est de faire une zone où tu vas. Ah oui, attends, on l'a pas encore. Alors, voilà, l'astuce dans le jeu, l'astuce de l'emmerdement pour gagner de l'argent, c'est de juste faire le bureau du directeur, se payer son directeur, et tu peux Ouais, donc débloquer je construis un en haut, bureau, en haut à gauche. préfet. Toutes les l'administration avec toutes les recherches en fait. Ouais, ok, Voilà. donc je fais juste Alors, un bureau comme ça, c'est alors tout ouais, mais tu simple. le poses pas ici. Attention, on fait les choses cadrées, mec. Ici, t'es sûr comme d'habitude gaming. On fait les choses comme des pros. Ah, Je je vais te vois je avec bouge faire pas, des je vais me trucs faire un avec un trait. tracé. Je me fais un tracé dans la neige juste pour voir un truc. Alors, on va mettre de la dalle de pierre. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 4, hop. 1, 2, 3. 4. Ok, ça marche. Donc mon mur de prison, il est. Bah, ils sont en train de construire, mec, hein. Oui, c'est pas grave. Ils construisent. C'est pas gênant. Mon mur de prison est là. Donc ton bureau, il est là où j'ai mon curseur de souris. C'est le coin en haut droit de ton bâtiment. Ok. Ok? J'utilise la construction rapide, hein, pour le poser. Hein. Ouais, vas-y. Non, non, mais le colle pas contre le mur. Il faut laisser une case de vide contre le mur. Ok, Ok, comme ça. voilà. Parfait. Excellent. Tu peux le poser. Voilà, il est posé. Ok, Incroyable, il démonte l'arbre, bien sûr, incroyable. avec un tournevis. Alors moi j'utilise pas la construction rapide pour les bureaux parce que c'est quand même le bureau du directeur qu'en général je le place comme un prince avec un fauteuil parce que maintenant il y a le fauteuil, hein. Maintenant il y a le fauteuil pour toujours plus de caisses. C'est génial, on adore ça. Donc ça va nous permettre de nous payer un dirlo. Donc notre directrice, on a pris Safara Aknofa. Voilà. Drôle. Parce qu'on Merde, aime pas le même nom. l'argent et en plus c'est la seule ruche du groupe. Va pour voilà. Donc on paye une directrice. Ah, il y a des psychiatres maintenant qui fournit des consultations régulières aux criminels. Ah ouais, bon, on verra ça. Donc qui remplace le psychologue, hein, attention. Ou qui a l'air après peut-être qu'il y a les psychologues, mais là le psychiatre il a l'air énervé, hein. Ouh là là, il sent le Troisième Reich un peu. Ah voilà, le Père Noël du Troisième Reich. Je sais pas si t'as vu dans Personnel, ce petit psychiatre là. Avec sa petite barbe taillée de près, il y a un petit côté titulaire du Troisième Reich. Faut pas dire ça. Ah mais si, moi j'ai Administration, prévenu, j'ai dit non, on part sur j'ai dit quoi? si vous étiez fragile, barrez-vous. On part sur quoi? Sur la finance? Alors en vrai, le plus intéressant dès le La début, microgestion. c'est d'essayer de chercher, c'est d'essayer de chercher le. Je crois que c'est lui, hein. Non, c'est pas ça. C'est. Il y a un truc à déverrouiller. J'arrive pas à le trouver avec ma tête. La C'est quoi? foresterie. Il faut trouver la L'entretien extérieur? foresterie dans cet arbre-là. Donc c'est l'entretien. Je sais pas. Il faut trouver c'est où, en fait. Je sais pas. Je sais pas dans quoi il est. Il entretiendra les espaces naturels de votre prison, jardinier. Oui, mais c'est pas. C'est l'exploitation de la foresterie. Voilà ce qui m'intéresse. C'est l'exploitation du bois, parce qu'en fait on peut faire de l'argent sans prisonnier dans ce jeu, c'est ça qui est rigolo. On peut juste monter un grand camp de bûcherons avec des ouvriers gilets jaunes, et point barre. Ce jeu est très rigolo pour ça. Ça c'est l'expansion, jusqu'à 3 subventions en même temps, emprunt bancaire on s'en fiche, dégrèvement d'impôts, réduit votre taux d'imposition effectif de seulement 15%, la microgestion ça fait quoi? Circuit de nourriture qui vous permet de déterminer quelle cuisine dessert un. Déverrouille également le planificateur de déploiement.
déverrouille le finance. Le final. Eh? Déverrouille finalement le planificateur de réhabilitation. Oui, c'est pas mal ça aussi. C'est intéressant. Globe Moi je pense que c'est dans les finances, mec. Hein. Soit c'est dans les finances, soit c'est en fait en déverrouillant le. Ah, bah oui, mais ça va être en déverrouillant le jardinier. Hein. Cherche pas. Cherche pas parce qu'en fait, pour planter, il faut le jardinier. Pour planter des arbres. Donc, vas-y, hein, go faire l'entretien. Bon, je clique sur l'entretien. Évaluation de la prison. Dessus. Zéro. Parfait. Exactement. Oh, on est parti sur du mur de béton gris. C'est soyeux. Hein. On aime beaucoup. Hein. Ta souris, quand tu la bouges, c'est tellement smooth. C'est assez incroyable. Genre, tes mouvements sont tout droits. Ça n'a aucun sens. D'accord. Intéressant. Genre, littéralement, ça suit des lignes parfaites. C'est magie. Même toi. Mais oui, c'est magnifique. Plus 2 pour ce jeu, bien sûr. Évidemment. Félicitations. Ah oui. Alors moi j'aimerais voir si le jeu est toujours cassé. 2 secondes, je fais une vérif. Je pose une loupiote. En extérieur. Oui. Donc tu peux pas éclairer l'intérieur des bâtiments, mais on peut éclairer l'extérieur. Est-ce qu'il voudrait pas mieux logique. Faire le mur d'enceinte tout de suite? Un gros mur. Non, parce un gros que ça bois. Coûte très cher en fait. Regarde combien coûte le mur d'enceinte. On est à 200 mètres la case. On a 200$ la case. Hein. Je trouve pas le mur d'enceinte. Alors tu vas dans murs et portes et c'est celui en haut à droite. Okay. Voilà. Ah. D'ailleurs tu après. Tu peux mettre un mur en brique. Ouais, mais le mur en brique c'est pas le mur d'enceinte. Hein. Les gens passent beaucoup plus facilement par dessus. Mais quand je te dis beaucoup plus facilement, ils le passent comme s'il y avait rien en fait. Quand ils ont. Ah. Voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est compliqué. Non, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux déjà poser un deuxième bureau à côté. Qui va être le bureau du contremaître. Donc là, je peux. Tu peux voilà poser. Non, mais colle pas non plus. Colle pas. Parce qu'en fait, pareil, comme quand tu colles, décolle-le encore. Yes. Parce que quand tu colles en fait des bâtiments l'un sur l'autre, ils t'éclatent le mur. Donc on va être obligé de démolir un mur et de repayer un mur. Donc ça sert à rien. Prends un peu d'espace, tu le laisses comme ça, on est bien. Hein. Voilà. Ce jeu qui est bien conçu quand même. Il y a déjà un mur de construit, mais dans le loot on l'explose. Voilà. Et ce qui est beau, tu vois, c'est que pendant ce temps-là, on gagne 700$ par jour. On n'a aucun prisonnier, vu qu'on a très peu de personnel à payer. On peut même, si on veut, virer quelques ouvriers. On peut se faire ça hein, complètement, ce qui ne sert à rien actuellement. Ils sont où le personnel là? Alors, comme d'habitude, on vire d'abord les gros lards. Voilà. Les noirs. Les. Ouais, alors, mais il y a une combo. Là, il y a des femmes noires, donc ça dégage. Et les deux blacks. Bon, même s'ils étaient balèzes, c'était intéressant. Et on garde les deux babtous. Ce degré de racisme est incroyable. Hein. Du coup, on peut acheter les contremaîtres. Oui, achète donc ton contremaître. Vas-y, je t'en prie. Hey, c'est magique. Un gilet jaune de plus. Je débloque donc l'entretien extérieur. Donc, on a investi 2000$ là encore. Comme tu peux voir, par contre, on gagne 980$ par jour. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais. En fait, si quand tu cliques dessus, tu verras que c'est parce qu'on a battu quelques bouts de bois. En vrai, c'est un truc qu'on peut faire. Hein. On peut, tu peux leur demander de raser des trucs. Tu vas dans Objet. Ouais, mais comment on fait pour leur donner un ordre à des arbres? De quoi deux? Et pas juste un arbre. Genre, je peux pas sélectionner plusieurs arbres. Non, tu peux pas faire deux zones de trucs. Ouais, t'es obligé de prendre ton truc là comme ça et de tartiner le fion, quoi. Un max, quoi. Voilà. Là, j'aurais dit, vas-y, globalement, rase-moi ça. Rasez-moi ça. Je sais pas si on a une zone d'export d'ailleurs. Est-ce qu'on a une zone d'export? Si. Non, on n'a pas de zone d'export. Non, on a livraison de déchetterie, mais on n'a pas export. Donc je vais nous mettre ça en pièces. Ah oui, maintenant c'est vrai qu'il y a les cellules matelassées. Oh, on va avoir le bureau du psychiatre, c'est trop bien. Oh là là, il y a un bordel. Il y a une histoire. Donc. Comment ça se fait que la route s'allume au moment. Au moment de. Allô?
Hello? Où il fait jour. Oui, tu lags, Knarf. Ah bah oui, c'est triste. Je crois que c'est 7, hein. Je crois pas que c'est 8. C'était 8. Espèce de con. Donc ça c'était 8. L'export. Exportation. 1, 2, 3, paf, 8, 8. Voilà. Parfait. Voilà, on a aligné les petites pièces. Et maintenant ils vont pouvoir aller vendre le bois. Les deux mecs qui restent. Incroyable. Alors, un reproche déjà à faire à ce jeu, c'est dommage, on ne peut pas jouer en ligne avec des mutators. Ça, c'est très triste. Parce qu'on était parti pour se faire une mère patrie bien Illustrateur. dure. Ouais, j'avoue, j'ai un ping. Oui, je me suis fait kick. Tu m'as dégagé. Bâché. Bâché en fait. Ouais, en fait, parce que vu que j'enregistre, je pense que ça fait trop de données à traiter et bah tu sais, ce PC est un peu en PLS. D'ailleurs, est-ce qu'on peut expliquer finalement pourquoi actuellement il n'y a pas trop de vidéos? Est-ce qu'on peut parler d'un buildage de PC? Non. Les vidéos vont reprendre à grande intensité, hein, ça sera pas le problème. Dès que je réussis et dès que je me serai intéressé à Streamlabs. Puisqu'éventuellement il y aura du stream en plus des VOD qui, je vous rassure, ne seront toujours pas montés, hein, évidemment. Hein. On voudrait pas faire ça. C'est très important, le montage, c'est pas pour lui. C'est le mal. Le montage, c'est le mal. Le montage, c'est ce qui donne les contenus modernes que vous regardez et c'est de la merde, finalement. Ça a toujours été de la merde en fait le montage. Si tu regardes, les premières vidéos montées, c'était des vidéos putaclic. C'était les 360 noscopes, les vidéos de shoot en boucle. Ça a toujours été des vidéos un peu toxiques comme ça. Hein. Voilà. Alors que la vidéo non montée, c'est l'expression de l'emmerdement. Et c'est génial. Ah, ça y est, c'est approuvé. Normalement, on a la foresterie. Attends, la Quoi? foresterie. Ouais, pièce. Je paye Oui, micro-gestion ou pas? on a la foresterie. Ce qui veut Où dire, ça? tu. Bah, dans nos pièces. Tu vas dans pièces. Ah, oui, parce que Totona, il a jamais joué. Hein, en jeu vidéo. Hein. Yes, hein, je pense que je l'ai. Foresterie, c'est ouais, ça fait quoi? Attends, je suis en train de la faire. Voilà, comme ça, on n'abuse pas. Ah! C'est-à-dire que tout ça va être que pour la forêt? Exactement. Dans la prison? Et non, là on est à l'extérieur. On est à l'extérieur, on mettra le mur au-dessus. On va mettre ça à l'extérieur. Du coup, faut qu'on se paye des... Du coup, faut Eh, sortir pourquoi on perd de quelques l'argent? ouvriers et des On perd de jardiniers. l'argent! De quoi? Narfang. Oui? Allô? On est à moins 2000. Oui, c'est normal, c'est parce qu'on vient d'acheter tous les. Hein? On vient d'acheter un peu trop d'arbres. Regarde le nombre de putains de camions! Ouais, on a peut-être acheté un petit peu trop d'arbres tout de suite. Mais regarde, je vais trouver de l'argent. Bouge pas. L'outil vendre, s'il vous plaît. C'est où l'outil? C'est où les outils? Il faut que tu ailles dans objet. Et tu as le petit sac de pognon vendre. Tu vends les petits bouts de bois que les mecs ont coupés. Vite rentre de l'argent, sinon ça va se voir qu'on a plus de thunes et qu'on a fait un échec à cause de mes conneries. Vends tout. Mais oui, on a moins 12 000! Peut-être un peu abuse sur la taille du chantier. Mais rentabilise au moins! Investis dans des putains de bûcherons! Bah, alors, le problème, c'est que je crois qu'on peut plus du tout se payer de personnel, je crois. Ouais, c'est ça, hein, faut 500 balles là. T'as pas 500 balles qui traînent dans une poche? Qu'il a tardé! Non, mais on va remonter la pente puisqu'on gagne 1000 balles par jour, je rappelle, et qu'on a deux ouvriers qui sont en train de couper du bois. Donc, on gagne de l'argent, monsieur. Alors, ça va pas être rapide, mais on gagne de l'argent. Je pense que les gens méritent qu'on leur fasse une petite vidéo de 15 minutes, pas plus, pour ce démarrage incroyable. Comme ça, on revient quand on a un peu de thunes et qu'on a commencé à mettre le truc en marche. Voilà. Et puis, parce que ça fait une vidéo extrêmement commerciale de 15 minutes. Et vous vous rendez compte, j'aurais réussi à faire une vidéo de 15 minutes
Deux prison architectes. Improbable. Improbable, ça mériterait même que je m'arrête pas. Mais on va s'arrêter. Des bisous YouTube. Adieu. On revient quand on est riche. Des bisous.